C'est une histoire qui a marqué les esprits. Alors que tout le monde croyait que Bowser avait fui le royaume des champignons, son vaisseau maléfique réapparut. Le roi Bowser était de retour. Et il était plus dangereux que jamais, car il était accompagné de ses 7 enfants. Heureusement, Mario et Luigi veillaient au grain, et grâce à leur super pouvoir, sauvèrent la princesse Toadstool. Une fois de plus, ils avaient vaincu l'immonde Bowser. Saleté de plombier, je vous aurai! Ça suffit, bande de têtards! J'ai des choses importantes à vous dire. Une réunion de famille s'impose. Je vous ai formé à l'art difficile de la crasse. Vous avez commencé en faisant des petites crasses, puis vous avez fait des crasses moyennes. J'estime maintenant que vous êtes prêts pour la grosse crasse. Garde Goomba, montre-leur le portrait en taille réelle du type dont on doit s'occuper. C'est le prince Hugo le gigantesque. Il dirige le pays des géants. On raconte que c'est le plus grand, le plus fort, le plus brave prince qui fut jamais. Même pour les géants, c'est un géant. Pas pour moi. Je peux lui mettre un bon mawachi dans les côtes. Ouh ! Oh, tu es sûr de toi ? Carrément, Papounet. C'est pas lui qui va me faire peur. Même Wendy Ho ou Morton pourraient s'en occuper. Ça tombe bien, car quelqu'un doit s'en occuper. Je vais métamorphoser le prince Hugo en caniche. En caniche miniature. Alors, qui va me ramener le prince Hugo pour que je lui apprenne à donner la patte? Papa, en fait, je le sens pas trop. On pourrait peut-être capturer un prince plus petit. Morton, Larry, Ludwig, Roy, reculez-vous. Vous êtes maintenant des ninjas géants, des ninjas sournois, menteurs et tricheurs. Rien ne peut vous arrêter. Alors, amenez-moi le prince Hugo pour que je commence à le dresser. Nous sommes partis dès que nous avons reçu votre message. C'était la première fois que nous recevions une lettre plus grosse que le bureau de poste. J'ai besoin que vous m'aidiez. J'ai des problèmes gigantesques. Gigantesques ! Des problèmes gigantesques ! Mon armée royale vient d'être défaite par des Koopa ninja géants. Et maintenant, ils vont venir me capturer. Aucune tâche n'est trop grande pour les frères Super Mario. Nous allons vous protéger. Oh, les Minus ne peuvent pas aider votre Altesse royale. Tu oublies ce que l'on dit sur les plombiers de Brooklyn. Petit, mais costaud. Viens, Luigi. Allons chercher des feuilles magiques et il verra qui nous sauve. On doit faire vite. Les Koopa Ninja géants seront là d'une minute à l'autre. Et maintenant? Vas-y, saute! Je te rattraperai! Ah, oh, tu m'as bien rattrapé! Je voyais rien, j'avais le soleil dans les yeux! Vilain rapporteur! Il va falloir qu'on évite le coup de soleil. Les frères Super Mario! Eh, les ratons volants, vous n'auriez pas vu passer deux plombiers dans le coin, hein, les gars? Ils sont derrière ce nuage. Merci! C'est pas une lumière. Maintenant, on retourne au pays des géants pour s'occuper de ces affreux Koopa Ninja. Et n'oublie pas, Mario, si tu te fais toucher par un Koopa, tu perdras tes pouvoirs. Hi-ya! 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 Je ne peux pas regarder! Ils sont trop effrayants! Hey, laissez-les tranquilles! Hey oh! J'ai déjà vu des ratons laveurs très moches, mais ceux-là sont les pires de tous! Ouais, ils sont aussi vilains que les frères Mario! Mais ce sont les frères Mario eux-mêmes! Et si vous refusez de nous lâcher, ils risquent d'être très en colère! Détais-toi, espèce de truffe! C'est nous qui sommes très en colère! Oh, je ne peux rien faire contre cette tornade! Et elle m'emporte! Yeah.
Je ne suis plus super. Je ne suis plus que ce bon vieux Mario. Oh. Oh, moi aussi, Mario. Ils m'ont eu. Oh. J'adore être un Koopa. Vous ne pouvez pas me sortir d'ici. Non, je suis un perroquet royal. Lâchez-moi. T'es plutôt un paltoquet royal. Et on a besoin de ta cage pour mettre nos prisonniers. Inutile de fermer la porte à clé. Il faut encore qu'on attrape Mario. C'est plus facile à dire qu'à faire. Sors-nous vite d'ici. Où est-ce que tu te crois? Descends tout de suite. Je ne pourrais pas sauver le prince Hugo et mes amis sans ton aide. Je ne partirai pas d'ici si je n'ai pas ma cage. J'ai toute ma vie dans cette cage. Tous mes livres de cuisine de Bernard Loiseau, sans parler de l'intégrale de Corneille et mes disques de Piaf et la moquette est neuve. Je promets de libérer ta cage de l'envahisseur. Tu le promets? Tu as ma parole d'honneur. Maintenant, envole-toi. Mais non, de l'autre côté. Ah, on a assuré. Papa nous avait demandé de capturer le prince Hugo et on va lui ramener 3 prisonniers supplémentaires. Oh oui. Quand on va arriver au château Bowser, notre papounet va être fou de joie. Enfin, vous vous êtes montré digne de votre père, de vraie pourriture. Je suis tellement fier de mes petites crapules. Quant à vous, vous allez comprendre pourquoi. Je me considère comme un génie. Sceptre magique, fais ton bricolage. Oh non! Pauvre prince Hugo. Moi, ce sont les petites choses de la vie qui me rendent heureux. Maintenant que mon plan machiavélique a réussi, il est temps que je vous rende votre taille normale, mes petits enfants. Mais c'est trop drôle d'être des Koopa Ninja géants sournois, menteurs et tricheurs. On pourrait rester comme ça pour aller conquérir d'autres royaumes. C'est une idée qui pue. Ça pue la traîtrise et la perversion. Ça, c'est du Bowser tout craché. J'utiliserai ce sceptre ninja plus tard. Ouais. C'est un affreux camarade. C'est un affreux camarade. Mais j'ai pas assez de force pour l'ouvrir. C'est pas grave, princesse. J'ai un plan pour déjouer Bowser, mais j'aurai besoin de votre aide. Écoutez-moi. C'est un affreux camarade. C'est un affreux camarade. C'est un cadeau pourri. Alors, quel royaume souhaiterais-tu voir dévasté par les Koopa Ninja géants? Le pays de l'eau. Celui du désert. Doucement, papillon. C'est le roi qui décide ici. Vous n'avez pas l'âge de vous mêler des décisions politiques. Vous n'allez prendre aucune décision. Vous n'irez nulle part. De quoi? Libérez immédiatement tous mes amis et rendez sa forme au prince Hugo, sinon... Sinon quoi, plombier? Vous les laissez partir et je reviendrai lundi prochain pour vous le dire. Hein? Saisissez-vous de lui! Je crois que Bowser va aussi transformer Mario en Kanishna sans aucun pédigré. C'est une idée répugnante, princesse. C'est une idée qui vaut des millions. Je vous remercie de me l'avoir soufflé. J'ai toujours rêvé d'avoir des caniches jumeaux. Vous avez été très convaincante, princesse. Bowser est tombé dans le panneau. Hey, mais qui est-ce qui a trafiqué mes sceptres? Moi, le bon, sincère et honnête super ninja géant Mario! You're a head-bending, sweat-bending, underhanded ninja man. A tough-talking, fast-walking, Koopa-stalking ninja man. Quick-hardling, Luna. Ninja man. Ninja Man! A tough talking, fast walking Ninja Man!
Tenez, prince, corrigeons ces Koopa Ninja. Sauve-nous, papa! J'aimerais bien vous sauver, mes chéris, mais hélas, je viens de me rappeler que j'ai rendez-vous avec mon préparateur mental dans la Warp Zone. Salut! C'est-à-dire que on n'est pas coupable! Merci, Mario. Sans ton aide précieuse, le pays des géants était condamné. N'exagérez pas, prince, mais je suis heureux que vous ne soyez plus un caniche. Hé, hey, Mario, je vais te faire redescendre de là-haut. Ma cage! Elle a été détruite par ta faute, Mario! Tu avais pourtant promis que je la retrouverais! Tu as raison, je suis désolé, mais je peux te la réparer avec Luigi. Tu as intérêt à réparer cette cage, Mario, avant que je ne décide de te rentrer dans les plumes. Oh, j'aurais tout vu aujourd'hui, même un perroquet ninja géant, misérable braillard et en colère.